D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu, il y a du bon petit coffre, donc on se retrouve pour une vidéo pack opening. Donc voilà, pas mal de... vraiment des petits coffres, hein. C'est pas des coffres extraordinaires. Mais on a quand même également un petit coffre de défi, j'ai fait 2 victoires. Bon, en ce moment, je fais pas mal de fois 2 victoires, c'est assez peu. D'ailleurs, il y a un petit défi qui est sorti là. Attendez, est-ce que je peux aller le voir? Non, je peux pas aller le voir. On ira le voir après l'ouverture du coffre. L'ouverture du coffre. Donc là, 2 coffres gratuits, un coffre à couronne, près des coffres en argent et puis un coffre en or. Donc on fera quelques attaques, je pense, avec mon deck. Et puis ça serait bien que je change de deck aussi. Hein. Ça serait bien que je change de deck bientôt. Ça serait plutôt pas mal. Donc là, on a un deck full légendaire. Donc bref, on va commencer. Coffre gratuit d'abord. Parce que vu qu'il y en a 2 sur 2. Oh, 3 cartes. Attention, 3 cartes. 3 cartes, s'il n'y a pas de légendaire. C'est... Enfin, s'il n'y a pas de gemme. Ah, il y a 2 gemmes, vas-y, il n'y a rien, il n'y a rien. Gwen de glace, du coup, et puis on a quoi? On a 12 gobelins à l'avance, ok. Donc voilà, à chaque fois, en fait, si vous voulez, je pense que vous avez compris, j'ouvre le coffre gratuit avant parce qu'en fait, si vous voulez, dès qu'on a les 2, ben, le prochain coffre gratuit n'est pas lancé. Du coup, ben, je lance, je pense que vous avez compris. Deuxième coffre gratuit, du coup, on fait 2 de la suite, c'est pas grave. 98 d'or, une cabane de barbare, et 12 squelettes. Ok, ça marche. Coffre en argent, c'est parti. 82 d'or, une pierre tombale, 12 bombardiers, ok, pas ouf, pas ouf, pas ouf. On a... Oh, 3 cartes, attention, attention, 3 cartes, attention, attention. 75 d'or, 3 cartes, coffre à l'argent, 3 cartes. Petit screen d'abord. Est-ce que j'ai une légendaire dans un coffre à l'argent il y a pas longtemps? Je crois pas, peut-être, mais je crois pas, je sais pas si j'en avais... Non, je crois que c'était un... Oh, peut-être, peut-être, je sais plus. Bon, c'est parti, attention. Donc là, une boule de feu... Il nous faudrait une commune. Ah non, c'est vrai qu'il y a... Non, c'est vrai qu'il y a un peu une épique, ça. Donc la commune, bombardier, 11 bombardiers. Alors commune ou légendaire, des fois ça peut varier. Dommage. Dommage, on a mis PK. Et n'empêche, ce genre de coffre, c'est limite mieux qu'un coffre en or des fois. Parce que des fois dans les coffres en or, on n'a même pas de. On n'a même pas d'épique. Donc voilà. Deuxième coffre d'argent. 2 cartes, dommage. 74 d'or. Une mousquetaire. 12 gargouilles. Ok. Bon, sur le coffre en or. L'unique, le seul. 218 d'or. 12 canons. Oh, bientôt, niveau 13, ça arrive bientôt. 24 géants royal. 4 boules de feu. Oh, une petite épique quand même. On a une petite épique. Un petit foudre. Pour 5 cartes en tout. Enfin, 4 cartes. Et un petit peu d'or. Une petite épique, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc ensuite, on va se faire du coup le coffre de défi à 50 cartes et à 2500 d'or. Donc voilà, 2500 d'or, 10 esprits de feu, 12 bombardiers, 23 esprits de glace, et du coup, ça sera de l'épique, non pas de l'épique, de la rare, je crois. Ouais, de la rare. 5 boules de feu, voilà. Voilà, voilà. Donc voilà le défi que je vous avais parlé au début, là, que je vous ai dit au début, le petit défi. Bon, il faut quand même payer 10 gemmes, hein. Faut quand même payer 10 gemmes. Je pense que je vais le faire, parce que ça fait quand même du mini PK en plus. J'ai acheté d'ailleurs le mini PK, là. Les 2 mini PK, je les ai achetés parce que c'est quand même pas très cher pour de l'or, ça va. Donc j'ai niveau combien d'ailleurs, mini PK. Mini PK... il est où? Il est là. Ouais, je peux l'améliorer, je pense. Ouais, niveau 9, et puis après niveau 10, je pense pas encore, mais au moins niveau 9. Donc c'est parti. D'ailleurs, niveau 9, mon genre est niveau 9 aussi. Ah ouais, ok. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont faire ce défi avec le géant, ça serait cool pour mon deck. Et j'espère que vous, vous avez le deck avec un deck à mini PK comme ça. Ça vous avantagera. Bref, du coup, c'est parti. Coffre à couronne. On a 576 d'or. Donc, on a 5 cartes. Attention, attention. 2 gemmes. Oh, ça commence mal. Un esprit de feu. On n'aura même pas d'épique, je crois. 31 esprits de glace. 42 canons. Yes, bientôt au niveau 13. Il me manque 103. Et donc, pas d'épique, je pense pas. Voilà. 8 guérisons. Ça passe niveau 6. Ça. Si on veut, on passe niveau 6, mais je pense que je vais pas passer niveau 6. Je vais d'abord économiser pour augmenter les... Le canon qui vaut 5000, et les gobelins qui valent 5000 également. Et du coup, j'aurai plus d'or. Enfin, j'aurai même pas assez. Bref, du coup, c'est parti, un petit gameplay. On va voir ce qu'on vaut, là. On va voir ce qu'on vaut avec ce petit deck. Si ça a un peu changé, etc. Donc là, je suis à 4700 trophées. Je sais pas si je peux viser les 5000. Je crois que la fin de la saison, d'ailleurs, c'est bientôt. Hein. C'est la fin de la semaine, là, c'est dimanche. Je crois, je suis pas sûr. Donc là on se concentre, donc il y a 2 archers, niveau 12, on va mettre la horde, 2 gargouilles,
On va mettre les flèches. Ah, j'ai mis trop tôt. Un petit peu trop tôt, je trouve. Un tout petit peu trop tôt. Ok, un petit gobelin, ça marche. Ok. Ok, ok. Par contre, le golem de glace, il m'embête. Alors là, il m'embête. Hein. Oh non, ça va. Oh, c'est pas mal. On s'est quand même bien sorti. Avec le petit canon, le petit gobelin, il aurait bien placé sa boule de feu sur le canon, la princesse. Et il aurait fait un massacre. Mais heureusement, ça va. Donc là, on va se faire un petit jet en ballon, si c'est possible. Hop là, 10, donc avec un petit géant. Il y a deux archers. On va mettre les flèches. Les flèches ou pas? Non, je vais pas mettre les flèches maintenant. Mettre ballon. On va mettre la horde. Non, ok. Ça marche. Ça marche, ça marche. Alors là, ce qu'on met, on met ça, comme ça le ballon il va toucher un petit peu la tour. C'est quand même pas mal. Et les gargouilles aussi vont taper. Je viens de voir les gargouilles là derrière, juste derrière. Et on a la tour. On a la tour, tranquillement, voilà. Sans se précipiter. Sans se précipiter, on a la tour. Donc pour l'instant, pas mal de dégâts sur la tour du roi, un petit peu. Il a quand même fait un petit peu de dégâts sur la tour de droite. J'ai laissé faire parce que, comme ça, je suis sûr d'assurer au moins une étoile. Une couronne, pardon. Une couronne. Et puis on verra par la suite comment ça va se dérouler. Mais pour l'instant, ça va. Donc là, j'arrive à la limite. Ok. Ça joue le petit chevaucheur. J'ai les flèches qui vont arriver trop tard. Bon, nickel. Nickel, parce que comme ça, j'ai touché la tour de droite. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok, donc on va se mettre la princesse. On va se mettre des barbares. Est-ce que j'ai assez pour le canon? Mon canon a servi à rien du tout. Alors vraiment à rien. Il faut que je fasse attention. Hein. Faut que je fasse vraiment attention. Parce que là, la tour de droite, elle a 1261 points de vie. Donc c'est chaud. Hein. D'ailleurs, j'ai plus d'élixir. Ça va être encore plus chaud. Ok, nickel. Bon, pour l'instant, ça va, mais c'est chaud quand même. Mais, ok, nickel. Le joueur qui tourne. La petite boule de feu qui va arriver. Non, trop tard. Elle va arriver trop tard. S'il avait maintenant, il l'avait pas. Évidemment, il l'avait pas. Donc c'est bon, victoire. Ça va, une petite victoire. Ceci est cool, plutôt cool. Plutôt cool, cette petite victoire. J'ai un coffre d'argent ou un coffre d'or? Je sais pas. Coffre d'or, ok. Parce que ouais, j'ai regardé sur Stat Royale, j'ai bientôt un coffre légendaire. Je crois que c'est dans 7 coffres. Il me semble que c'est dans 7 coffres. Donc ça arrive bientôt. Il y aura coffre légendaire, coffre magique qui va arriver. Donc voilà, autant vous dire qu'un bon... Enfin, un beau et un bon pack opening va arriver très très vite. D'ailleurs aussi, j'ai ça, tiens. J'ai un petit coffre pic. Est-ce qu'on l'ouvrirait pas? Parce que c'est vrai que je l'ai ouvert qu'une fois depuis le début. Donc pourquoi pas l'ouvrir? Ça serait cool. Ça serait plutôt cool. D'ailleurs là, j'ai gagné mon record, c'est 4737. À deux trophées près, je battais mon record. Mais je pense qu'on va le battre après. Donc là, on va sur ce petit coffre. Allez, je suis chaud. Petit coffre à la fin, petit coffre pic. On a 20 pics. D'ailleurs, j'aurais dû l'acheter avant, j'aurais pu avoir des ballons plus facilement. C'est pas grave, allez, c'est parti. Si ça veut bien. 20 pics, 10 000 d'or, c'est parti. Donc pour l'instant, un garde, c'est pas ouf. Donc il reste 3 cartes, donc ça fait 4 cartes en tout. Donc c'est quand même pas mal. 2 golems, donc là il me reste 17. Attendez, à la fin, alors attendez, il me restait 17, là, il me reste du coup 14. Là, je vais avoir 14 épiques. Donc là, 3 boulistes. Bon, ça va. C'est plutôt cool. Là, je vais avoir 14 épiques. J'espère que c'est... Alors, le ballon, ça serait cool, mais bon. Il m'en faut quand même 200. Ce qui pourrait être sympa comme épique... qu'est-ce que j'ai qui pourrait être pas mal? Un petit PK, un petit... Pourquoi pas le prince? Peut-être le prince, j'ai pas regardé trop précisément, mais le prince peut être intéressant. Ou le prince en hébreu. Mais en tout cas, 14 épiques, ça promet du lourd. Donc, c'est parti. Oh là là. Oh là 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 là. Le miroir. Le fameux miroir. Ah, le miroir. 14 miroirs. Qu'est-ce que je voulais que je fasse d'un miroir? Plus personne l'utilise maintenant. Plus personne l'utilise quasiment le miroir. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui l'utilisent, le miroir, mais plus personne l'utilise quoi. 14 miroirs. C'est la carte que je m'attendais le moins. Je m'attendais, à la limite, regardez un petit peu ce que je m'attendais. À la limite, voilà. Il y a pas mal des pics. Pourquoi pas un petit feu à gobelin? Pourquoi pas un petit sort d'orage? À la limite, vraiment, au pire des cas. Pourquoi pas une petite tournade, un sort de gel ou un prince, comme je vous ai dit, ça serait cool. Un clonage à la limite, mais
Ou un bourreau, tiens, un bourreau. Mais quand même, là, on arrive sur la miroir. La carte, là, quasiment la moins utilisée du jeu. On arrive sur ça. Ou quoique, j'aurais eu l'Arkix, ça aurait été la même réaction. Ça aurait été peut-être la même réaction. Et le squelette géant, c'était pas loin, je pense. Mais Arkix et le miroir, c'était vraiment limite. Limite, je préfère le miroir que les Arkix. Mais bon. Bref, du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas. Donc voilà, pour ce pack opening, du coup, ce petit coffre épique qui était pas ouf, hein, qui était pas ouf, on va pas se le cacher. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao, ciao.